La grenouille accepte la présence de l'homme. Mais l'homme, est-il prêt à reconnaître que la grenouille et les autres animaux lui sont utiles? C'est pas vraiment une question, hein, c'est plus une piste de réflexion. Très bien. Bravo. La cadet, elle est passée où ta grenouille? Mais la cantine, c'est dans 25 minutes. Eh bien, bonjour mes amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne vidéo thématique destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et donc, à travers ces films, ces séries, de documentaires, je vous parle un peu de moi, je vous parle un peu de la vie, un peu de tout. Donc, c'est une façon, comme une autre, si vous voulez, d'introduire des sujets parfois amusants, parfois importants. Voilà, donc là, je voulais parler des 5 pas, mes amis. C'est un film que j'ai vu ce week-end, donc je travaillais ce week-end, j'ai pas fait de vidéo hier plutôt. Et donc, je me rattrape un peu aujourd'hui, on est lundi, c'est le début de la semaine. Je me rattrape un peu aujourd'hui en vous faisant part des films que j'ai regardés durant le week-end. Donc là, il s'agit du film Les 5 pas, c'est un film français, une comédie. La durée, c'est 1h39. La date de sortie, c'est 2021 et c'est un film comique, comme je l'ai dit. Donc, Les 5 pas se font virer de leur établissement. À la grande surprise, ils intègrent le prestigieux collège Franklin Roosevelt. Le principal, peu enclin à voir la réputation de son école se détériorer, imagine un stratagème pour virer les 5 pas tout en conservant les aides. Alors qu'il savoure la nouvelle vie, l'idée des amitiés devient de plus en plus populaire, les 5 pas découvrent le projet du principal et décident alors de tout faire pour déjouer ses manigances. Ah oui, donc pour ceux qui ne savent pas, les 5 pas, effectivement, c'est les cancres qu'on a réunis dans une classe spéciale, donc peut-être pas dans tous les établissements scolaires, mais dans certains établissements scolaires. On met de côté donc les élèves les plus nuls pour parce que on n'en a pas grand chose à faire. C'est des élèves qui ne suivent pas, c'est des élèves qui ont des problèmes donc à l'école. Et les 5 pas, effectivement, dans ce film, effectivement, c'est un groupe d'élèves qui va se faire virer de son établissement, qui va être récupéré dans un autre établissement, un établissement de prestige, mais uniquement pour bénéficier des aides. Parce que, comme vous le savez peut-être, le gouvernement français attribue des aides aux établissements scolaires qui reçoivent ce genre d'élèves. C'est-à-dire que si vous avez une ou plusieurs classes avec des élèves difficiles, avec des élèves en échec scolaire, eh bien, vous pouvez recevoir des aides de la part du gouvernement. Donc voilà. Donc pour bénéficier des aides de l'État, cet établissement très réputé, qui se trouve dans le film, s'appelait le Collège Franklin Roosevelt, eh bien, on va recevoir les 5 pas dont personne ne veut, mais en les mettant de côté, voilà, et étant certains qu'ils ne réussiront pas leur brevet des collèges, voilà, à la fin de l'année. Alors que les autres élèves du même âge s'apprêtent à passer le bac, les 5 pas, eux, s'apprêtent à passer le brevet des collèges, voilà. Donc, il y a une grosse différence, mes amis, mais de toute façon, le but du principal, c'est de le virer à la fin de l'année, recevoir les aides du gouvernement. Et étant donné qu'ils recevront pas, qu'ils n'auront pas leur brevet des collèges, ils seront automatiquement virés. Donc le défi en fait de ces 5 pas, ça serait de réussir en fait le brevet des collèges de façon à passer à la classe au-dessus et rester dans cet établissement. Mais le principal est un malin et ça vous allez le voir dans le film, mes amis. Donc c'est un film comique, intéressant, amusant. C'est pas du tout un film culte, mes amis. C'est pas un film vraiment à thème. Je vous conseille de regarder ce film si vous voulez passer 1h39 d'amusement, parce que c'est vraiment un plaisir, c'est tout. Un simple plaisir de regarder ce film, mes amis. Donc voilà, je me suis amusé. C'est pas génial, mais ça m'a suffi pour passer un bon moment. Et c'est tout ce que je demandais à ce film, mes amis. Voilà, Les 5 pas, un bon moment à passer. Si vous avez rien à faire, je vous le conseille et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est pas un film à message, mes amis, c'est juste un film comique, voilà. Un bon film comique français, c'est tout. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.